Et tout de suite, ça repart du côté de Guérin. Djorkaeff. On a fait le ballon sur le côté. Ballon enveloppé. Bien sorti. Oui, le Tosson. Et but de Reynald Pedros. Il a fait que repousser le ballon. Avec un changement de gardien. Mais toujours ces erreurs qui profitent aux attaquants français. Sur un bon débordement de Djorkaeff. Salikov sort au point de pénalty, ne maîtrise pas le ballon. Et c'est un jeu d'enfant. Ensuite, pour Reynald Pedros, de marquer le quatrième but du pied gauche. Oui, d'un ciseau en avant. Un peu comme le but que Fernandez avait marqué à Bordeaux. Si mes souvenirs sont exacts. Oui, il en a marqué deux, un à Bordeaux et un à Séville. Oui, les deux mêmes. Son ballon, il a juste glissé son pied sous le ballon avec ce relais extraordinaire. Martins, là ça va trop vite pour les Finlandais, et un ballon qui est juste piqué et qui va mourir dans le but d'Andy. Et les Français ont le dernier mot. Deschamps, Pedros, Loco, Djorkaeff. Oui, oh, c'est bien joué. Oh, superbe, oh, super. Et relobe. Oh, il est beau celui-là. Oh, qu'est-ce qu'il est beau. Superbe but de Pedros. On reprendra. Et quelle ça. Belle action. Quelle superbe action. On reprendra ça, François Charles, depuis l'intervention de Vincent Candela, c'est-à-dire pratiquement au poteau de corner de l'équipe de France, à hauteur de la surface de réparation. Il y a eu plusieurs relais, dont celui-ci qui a été décisif avec... Pedros Loco, Djorkaeff Pedros, et bout du pied gauche, bis repetita, le contrôle est pratiquement...